Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de C'est dans mes cordes. L'un des avantages d'apprendre la guitare, c'est qu'il y a des systèmes de notation simplifiés qui permettent d'apprendre à jouer sans forcément connaître tout le solfège ou savoir lire une partition. On a par exemple les tablatures ou les barres de rythme et ce dont on va parler aujourd'hui, les diagrammes d'accords. C'est un incontournable quand on veut apprendre à jouer des accords. Comme d'habitude, vous pourrez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour trouver la petite fiche récapitulative qui reprend tout ce qu'on va dire dans cette vidéo. Si apprendre des accords à la guitare vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. La première fois que j'ai vu un diagramme d'accords, j'étais un petit peu dérouté. Je pensais que c'était comme une tablature, mais en fait pas du tout. Si vous connaissez les tablatures, on part sur une représentation horizontale du manche. Pour les diagrammes, on va imaginer qu'on regarde la guitare en face, comme si elle était posée sur sa caisse. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Sur mon diagramme, j'ai d'abord les 6 cordes, ce sont les lignes verticales. À gauche, on part de la 6e corde, la plus grave, pour aller jusqu'à la première corde, la plus aiguë. On ajoute des barres horizontales, ça représente les frettes de ma guitare, les petites barres métalliques. Sur certains diagrammes, la première frette est plus épaisse que les autres. Ça veut dire que c'est le scié de tête, cette petite partie-là. Donc vous pouvez être sûr, quand vous voyez le scié de tête sur un diagramme, que votre accord va se jouer au bout du manche. En haut du diagramme, vous avez peut-être déjà vu, on a des X et des O souvent. Ça indique si les cordes doivent être jouées ou non. Si j'ai un O, la corde va devoir être jouée à vide. Et si j'ai un X, ça veut dire que la corde ne doit pas être jouée. Soit je ne la joue pas, soit je vais l'étouffer. Vous l'aurez deviné, les points noirs indiquent les cases où il vous faut poser vos doigts. Certains diagrammes indiquent d'ailleurs un doigté particulier. Vous pouvez voir parfois des numéros sous le diagramme. Par exemple ici, 2, 3, 4. Chaque numéro correspond à un doigt. 1, index. 2, majeur. 3, annulaire. Et 4, auriculaire. Certains diagrammes font apparaître ces numéros directement dans les ronds. D'autres diagrammes n'ont tout simplement pas ces indications. Sur ce diagramme-là, il n'y a pas de scié. Ça veut dire que l'accord se joue quelque part sur le manche. À gauche, regardez, c'est le numéro 8, qui est parfois écrit en chiffres romains. Ça veut tout simplement dire que je vais positionner ma main à la 8e case. Ici, vous avez vu, on a un accord barré. On le reconnaît à la barre noire qui schématise l'index qu'on va placer à la 8e case. Et la dernière chose qui apparaît sur un diagramme d'accord, c'est le nom de l'accord. La plupart du temps, on va trouver la notation anglo-saxonne avec les lettres de l'alphabet. Si vous connaissez seulement la notation do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, je vous invite à aller regarder la vidéo qui se trouve en lien dans la description. J'y fais un petit rappel de la notation anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les noms des notes, on va utiliser des lettres de l'alphabet pour noter les accords. Cette notation avec les lettres de l'alphabet, c'est quelque chose d'essentiel à connaître quand on joue de la guitare, parce que c'est la notation qu'on va trouver sur la plupart des documents. Maintenant, pour vérifier si les diagrammes sont dans vos cordes, un petit exercice qu'on va faire ensemble. Je vais afficher des diagrammes. Prenez votre guitare, accordez-vous et essayez de jouer le diagramme qui s'affiche. C'est parti, et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de placer vos doigts. C'est le diagramme du Ré mineur. Celui-ci, j'ai pas pu m'empêcher de le mettre. C'est le Mi mineur qu'on joue à la 7e case. Un accord peut avoir différents diagrammes en fonction de l'endroit où je vais le jouer sur le manche. Certaines positions vont être plus jouées que d'autres parce qu'elles sont plus faciles à jouer, tout simplement. Scié, ça nous indique qu'on joue au bout du manche et c'est une version barrée de l'accord de sol. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que maintenant les diagrammes d'accords n'ont plus de secret pour vous. Pour rappel, vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur ces diagrammes d'accords sur la fiche récapitulative dans la description. Continuez à pratiquer régulièrement et n'oubliez pas, la guitare, même quand c'est difficile, même quand les diagrammes d'accords s'en mêlent, c'est dans vos cordes. À bientôt!